I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la famille. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube. Marius. Et Florence. La famille, dites-moi, ça fait combien de temps que nous n'avons pas fait de vlog de cuisine sur cette chaîne? Ça fait combien de temps que nous n'avons pas cuisiné ensemble, la famille? Dans la famille, aujourd'hui, j'ai eu une envie folle de manger un bon rôti de poulet avec le plantain mou. Là, je suis comme ça en train d'apporter mon poulet, c'est allé au marché. Depuis quand j'étais malade, j'ai réclamé le poulet, c'est à monsieur. Dès que la santé un peu donnée, là, j'ai dit que non, rien à faire. Je mange le poulet là maintenant. Donc là, c'est ça que je suis en train d'apporter comme ça. En même temps, j'ai déjà nettoyé mon planteur jusqu'à poser au feu, c'est à l'intérieur. C'est après que monsieur doit vous montrer. Donc la famille, si vous aimez voir comment est-ce que mon rôti de poulet doit se passer, n'hésitez pas à rester couché jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube Marius et Florence, c'est pas encore fait. De liker également la vidéo, c'est pas encore fait. Et de nous dire en commentaire depuis quel et depuis quel gros pays est-ce que vous regardez cette vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas la famille? Et dites-moi également en commentaire, commencez à me laisser vos avis en commentaire. Comment est-ce que vous cuisinez? Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites votre rôti de poulet, la famille? Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous faites votre rôti de poulet. C'est très important. Il faut qu'on s'échange souvent les idées, n'est-ce pas la famille? Ou je ne connais pas, vous me montrez. Ou vous ne connaissez pas, je vous montre. Dans la famille, je nous donne mon poulet et ensuite on assaisonne ensemble. Et la famille, j'oubliais, dites-moi, est-ce que vous aimeriez que je vous mette en description tout ce que j'utilise pour faire mes recettes de cuisine? Parce qu'il y a une personne là, il y a une de nos abonnés là qui a demandé à voir la recette de la marinade de poisson. D'ailleurs même, on va faire une vidéo sur ça. Oui, la vidéo, elle arrive. Dites-moi, est-ce que vous aimeriez que je détaille tout en commentaire? Si vous aimeriez que je détaille tout en commentaire, la famille, dites-le moi en commentaire, n'est-ce pas? Là, la prochaine fois, je vois comment est-ce que je vais me débrouiller à détailler ça. Nous sommes pas prêts. À qui d'à côté? Mais te chasse ici, tu pars là-bas. Te chasse là-bas, tu pars là-bas. Va laver les mamies là-bas, les mamans à Mimi. Va laver les mamies, laisse. Ne juge pas. Va voir maman à Mimi. Ma famille, j'apprête comme ça mes épices pour assaisonner mon poulet. C'est vrai qu'ils ont coupé la lumière, donc ils sont forcés de décraser ça à la pierre. Oh, si elle lançait moi ça dans mon mixeur, vite fait là. Mais c'est pas grave.
Toi-même, tu n'aimes pas ton propre corps. Mais c'est pas moi ce qu'il est fait avec toi. Va laver les assiettes. Non, il te donne pas. Dépose un peu ça, voilà. C'est où? C'est où? Elle a mis ça où? Je mets la passer loin ici encore, ça passer la feu avec. Je fais comment avec l'élément ici là? Oh. Andrea, viens voir papa. Elle a vu dans un rejet. Viens voir papa. Angoya, attention. Viens. Papou t'appelle. Papou. Oh, la famille. Là, je suis en train d'assaisonner mon poulet. Ici, c'est le cou de girofle. Là, c'est le purée. J'ai pris deux sachets parce que le poulet aussi est beaucoup. Parce que j'ai pris. Normalement, quand je prends un poulet, je prends un sachet. Mais cette fois-ci, j'ai pris deux poulets. Je prends ces deux sachets. Finalement, quand tu mets l'assaisonnement, si c'est ton poulet, tu n'as plus besoin d'écraser encore les épices ou bien de rajouter les épices. Mais moi, parce que ici dedans nous avons tout. Il y a le ail, il y a le jansan, il y a le pépère, il y a tout, les rondelles, tout ici dedans. Mais moi, comme j'aime bien quand c'est bien sucré, je rajoute encore mes propres épices de la maison. Donc là, j'ai nettoyé le ail avec les oignons comme vous avez vu. Je vais en faire qui ne me laissait même pas tellement, il veut seulement travailler. J'ai nettoyé, je vais écraser ça à la pierre. Les gars, si vous en faites, c'est vraiment très évident. Là maintenant, ici, là c'est mon poivre blanc. C'est la honte à la famille. Papa, filme seulement. Ne parle pas, pardon. Filme seulement, donc. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien tourner ici, là. Laisser reposer. Donc, ici, je vais bien tourner. Et puis, je vais laisser le poulet reposer pour que la marinade entre bien à l'intérieur. La marinade. Oui, c'est la marinade. Mes épices entrent bien à l'intérieur. Je vais écraser le ail, l'oignon, un peu de ginger et un peu de piment sur la pierre pour ajouter à l'intérieur. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va poser ça à l'intérieur parce que là dehors il y a le soleil. Je vais poser à l'intérieur. Parce que
même 10 minutes avant d'allumer le feu sur ça. Ma famille, là j'ai complété mon assaisonnement. C'est fini. Ça sent bon, hein? On va laisser quelques minutes que ça entre à l'intérieur. Je n'ai même pas goûté, mais je suppose que c'est sucré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper quelques tomates. Je n'ai pas vraiment envie de mettre beaucoup la tomate dedans parce que ce n'est pas une sauce tomate que je suis en train de faire. J'ai envie de faire le rôti. Je n'ai pas envie vraiment de mettre beaucoup. Je n'ai pas vraiment envie de mettre beaucoup la tomate, j'ai envie de mettre juste quelques fruits là. L'avantage que j'ai est que j'ai pratiquement tout ce qui concerne les divos au frigo. Moi j'ai les tomates, les carottes, haricots verts, feuilles vertes, j'avais acheté tout ça nettoyé et puis mettre ça au congélateur. André a laissé la pierre là-bas. Qui t'a branché les becs à sable ici? Je vais passer un bain ici là, il va peut-être taper tout. Je sais plus comment. La famille, c'est trop bon. Attendez les gars. Et là, vous m'en voulez comment? Depuis que j'ai cuisiné avec des cheveux au banc. Vous ne me dites même pas que madame Florence se cache des cheveux. C'est comment? La famille, même le père qui est derrière la caméra, il sait très bien que quand moi je cuisine, je garde plus mes cheveux, mais. Oui, mais je ne pas en cache. C'est la coiffure qui me plaît. La famille, il est derrière la caméra, il rit. Il faut lui demander pourquoi il est en train de rire. Parce que c'est moi qui demande. On a dit que oh, madame Florence aime trop se fâcher. J'ai dit, vous avez compris dans la famille. J'ai réclamé que mon chéri me dise que je suis belle avec ma coiffure fatiguée. La famille, il n'a pas dit. C'est quand il y a la caméra qui dit là, il ne dit pas à moi, il dit aux abonnés. Comme je viens de dire à la famille, essaie de la réclamer pour que je dise ça. Elle n'a pas réclamé. Non, la famille, vous voyez, mon poulet, je n'ai pas rajouté de l'eau dedans, regardez. Donc j'ai assaisonné tout et tout, j'ai laissé comme ça, je n'ai pas rajouté de l'eau. En ce temps, la famille, j'ai profité, comme j'étais sur la pierre, j'ai écrasé une fois mon ail avec mon ginger. Je n'écrase pas le piment, j'ai juste lancé dans le plat où ça chauffe trop. Et j'ai découpé une fois mes oignons, c'est ça ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever la tomate au frigo. Je n'enlève pas les condiments verts parce que mes condiments verts sont déjà découpés, tout et tout, c'est au congélateur. Donc je n'enlève pas ça maintenant. Donc, si j'enlève, je vais déposer derrière. On va dégivrer, ça ne serait pas bon. La famille, vous ne vous posez pas la question à savoir pour qui est-ce que appartient ce concombre aussi. J'ai dit que je découpe ça. Je ne veux pas les concombres entiers au frigo. Hey, Jesus. Voilà la propriétaire des concombres. C'est elle. Andrea, cherchez qui dans mes tomates. Vous voyez, vous avez vu la propriétaire maintenant. Hein? Après, on viendra dire que oh, c'est Madame Florence. C'est elle. Ne donne plus les concombres à l'enfant. Maman, elle a commencé à prendre chasser sa grand-mère. C'est pas moi qui lui ai donné les concombres. Elle a pris ça à sa grand-mère. Quand sa grand-mère fait sa composition ici, regardez là, voilà qu'elle a récupéré sa sœur mangue. André, tu as eu ta chance qu'il y a la coupe de lumière. Tu fais que ça ne s'est pas ramassé. La famille, c'est bien d'avoir le frigo à la maison. Peu importe où vous habitez, comment est-ce que la maison se trouve, il faut toujours avoir le frigo. Ça vous permet de faire les réserves en grande quantité. Parce que ces temps-ci, là, la tomate coûte extrêmement cher au marché. Raison pour laquelle.
je préfère acheter comme ça. J'ai mes voisins là dans la cité. On porte le cajou et puis on se départage. On porte un cajou. Pour ceci, moi je prends un cajou, ça serait beaucoup pour moi. On prend un cajou, on se départage tout et tout. Vous vous rappelez de la compose de tomates que maman m'avait donné la dernière fois? Non. Je prends un peu de tomates comme ça, je vais rajouter un peu de compost sur ça et mes autres condiments. Tout ça au congélateur. Voilà, voici c'est ici que tu as pris, commencer à manger les serres. Hein? La famille, le travail ne reste que pour moi. Hein. Je ne sais même pas si vous voyez ça bien. Il y a le soleil là dehors. Voilà, c'est mieux maintenant. Là, j'ai versé ma tomate. J'ai fini de couper ma tomate. J'ai enlevé la viande. C'est ça ici. J'ai enlevé mon poulet dans la marmite. C'est ça ici. C'est déjà cuit. Là, c'est ma tomate. Ici, voilà mes carottes qui étaient dehors au frigo. Voilà ma compote de tomates. Voilà ma compote de tomates. Et là, c'est les condiments verts. Donc, je vais laisser d'abord l'autre tomate s'y cuire un peu. Ensuite, je vais rajouter mes autres condiments, n'est-ce pas, la famille? Vous le savez déjà très bien. J'ajoute ça vers la fin avec mes épices, que ce soit la famille. La famille, j'étais même distrait là tout à l'heure et puis l'eau a complètement séché. Bon, la famille, là, ma tomate a tari et puis j'ai rajouté les carottes, haricots verts, condiments verts et ma compote de tomates. Donc j'essaie un peu d'imiter ça comme je peux. Tout ça c'était encore congelé. Donc c'est ça. La famille, je rajoute mes oignons avec mon ginger et mon ail. Ensuite, je rajoute mes épices. C'est ça ici. Alors, je vais rajouter les rondelles, le poivre blanc, le pour le girofle également. Je crois que c'est tout ce qu'il va rajouter comme épice à l'intérieur. Donc je rajoute et on se dit à tout de suite la famille. La famille, là j'ai fini d'assaisonner ma tomate et c'est déjà bon dans la bouche. Ce que je fais maintenant, c'est que j'ai rajouté un peu d'eau. Pour que mes carottes et mes haricots verts avec l'oignon que j'ai mis à la fin, que ça prend le temps de cuire un peu. Non, ce qu'on va faire, c'est que je ferme un peu la marmite et je ne sais même pas si je vous ai montré. Attendez, voilà la famille. J'ai également lancé un peu de thym, hein. Un peu de thym et de feuilles de laurier à l'intérieur, c'est ça. J'ai lancé un peu ça dans ma sauce. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre le poulet au feu, je vais faire frire. Tout sur le plantain est déjà prêt, je dépose de côté. Monsieur a dit qu'il voulait manger le riz, donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt bouillir son riz. J'ai une autre mamie là, c'est vrai quand même que toutes les mamies sont occupées, mais je libère d'abord le foyer ici. Je vais bouillir son riz, qui doit manger sa sauce avec, n'est-ce pas? Parce que moi je voulais manger avec le plantain mûr. Mais lui, il a dit qu'il veut son riz, donc je vais poser le riz là-dedans. Je vais d'abord faire frire le poulet, ensuite le reste d'huile pour parfumer un peu le riz. Je vais faire frire le riz avec. Donc la famille, restez scotchés jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire comment est-ce que vous trouvez ma méthode de cuisine, de cuisson, puis ma méthode de cuisson, la famille. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous trouvez ça, bien épuisé. Le bébé Andrea, la cuisine, monter, descendre, c'est vraiment pas évident.
Et entre-temps, Dieu merci pour nous la lumière. Dans la famille, on se dit à tout de suite. Bon, la famille, place au poulet. Ma famille, là j'ai fini le poulet, j'ai rajouté dans ma sauce. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons rajouter l'huile. Parce qu'il n'y a pas l'huile sur ça. Je mets l'huile toujours à la fin de la cuisson. Comme vous le savez très bien, je mets l'huile toujours à la fin de la cuisson. Et puis je vais allumer mon feu pour que ça mijote un peu avant que j'arrête. Parce que j'avais d'abord arrêté le feu quand j'étais en train de faire pour mon poulet. Dans la famille, ce que je vais faire maintenant, c'est que la mamie est vide. Ce que je vais faire, je vais bouillir le riz là-bas. Je vais aller laver mon riz à côté et puis je vais bouillir là-bas. Bon, la famille, là dans mon riz, j'ai rajouté un peu de curry. Parce que je voulais un peu changer la couleur du riz. Là, c'est un repas vraiment spécial, un repas longtemps cherché. Depuis quand j'étais malade, je voulais manger ça. Donc j'ai vraiment pris tout mon temps de bien préparer ça comme ça se doit. Oui, non, j'ai un peu changé la couleur, j'ai un peu teinté ça en jaune. La famille, là, j'ai déjà bien fait tout mon riz, si vous le remarquez. C'est même déjà devenu fin. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais rajouter de l'eau et puis laisser ça mijoter. Et quand je vois, j'ai combien pour ça que ma mamie serait petite. J'espère que ma mamie doit suffire. On espère ensemble, n'est-ce pas, la famille? Donc, je rajoute l'eau. Ok, la famille, monsieur est rentré. Je n'ai pas voulu clôturer la vidéo sans que monsieur ne mange. Vous savez, c'est toujours lui qui clôture la vidéo, non? Donc là, il est rentré et puis il est à table. Il mange. Bon appétit. Merci. Le plat est comment? C'est succulent. Tu as trouvé un défaut sur ça? Après, tu me donnes seulement l'eau. Pendant que tu vas vidéo là-bas. La famille, si vous regardez sur ce niveau que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour plus de recettes de cuisine. Et les pranks aussi. Partagez la vidéo pour que la communauté puisse s'agrandir. On va se prendre prochainement dans une nouvelle vidéo comme d'habitude. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.